Genre tu sens ton burger. Non. Qui fait ça? Qui sent son burger? Personne sent son burger. C'est le Paris New York. Aujourd'hui, je suis avec Alexia. Alexia, en trois mots, qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi? Mais trois mots rapides, hein. Parce que là, c'est un peu long. Je ne sais pas qu'est-ce que tu dirais sur moi. Je dirais que tu es une fille dynamique, souriante. Ce serait cool de faire une vidéo sur le meilleur burger de Paris. D'accord. Et est-ce que le meilleur burger de Paris est ici? Je pense qu'il est ici. Tu penses? Ouais. Tu l'as déjà testé? J'ai déjà testé, il est vraiment pas mal. Vraiment pas mal? Ouais. Okay. Je sais pas lequel en fait, tu prends lequel? Bah le Cowboy, je crois que c'est la meilleure. Ah, je crois que c'était le Cowboy. Je crois que t'as pas pris le Cowboy. Moi j'ai pas pris le Cowboy. T'avais pris quoi? J'avais pris le basic cheeseburger. Cheeseburger? Mais qui prend un cheeseburger chez Paris New York? Moi. C'est comme si tu prenais une partie d'avocat, mais en fait c'est que le cheeseburger. Tu sors. Tout de suite. Bien, bien, les effets spéciaux dans la vidéo, comme ça je retouche rien, tu vois. En fait chez Paris New York c'est cool parce que quand tu fais ça, tac, t'avances, et là. Dans la glace, t'as un message. Give me caviar Castilla and give me a hamburger. J'adore. Ça c'est cool. Bon, on est dans les toilettes de Paris New York. Ce qui est cool dans les toilettes de Paris New York, c'est qu'il y a des Polaroids. Et t'as vraiment envie de poser là. Apprécier la musique là. On va beaucoup apprécier la musique. Ça c'est Rudy, le fondateur de Paris New York. Ah oui, c'est le vintage cheeseburger. Toi t'avais pris le vintage la dernière fois. Et moi je vais prendre le... Oh la lumière c'était assez tamisée là d'un coup. Donc moi je vais prendre le retourne cowboy. C'est du bœuf, du cheddar, du confit d'oignon, poitrine fumée, bédien d'oignon, sauce barbecue. Et là on est dans le noir, quoi. On voit plus rien quoi. Mais attends, je crois qu'il s'amuse trop avec la lumière. Je crois qu'il s'amuse avec la lumière. Ça va être très cool pour la vidéo, ça va être... Ah, parce qu'il n'y a pas de spot qui peut s'amuser avec la lumière. Je crois que j'ai interdiction de prendre la César salade. Non, pas ça s'il te plaît. Ok, d'accord. Soit je repartirai sur un vintage burger, cheeseburger, soit... C'est pas mal le Morning California, il y a de l'avocat frais dedans. Le Morning California est très bon. En plus, il vient de faire son retour là, chez Paris New York. Bon, d'accord. J'attendrai qu'il arrive pour ça. Dès qu'il arrive, le choix sera obligé. Ça, c'est un pichet. Ça, c'est un pichet. Paris, Rio. Limite, on pourrait en fait prendre directement nos pailles et boire directement dans le pichet. Ah, ouais, t'es comme ça, toi. Tu bois direct dans le pichet. En fait, t'as pris une pinte juste pour toi, quoi. La pâte, elle doit peser une tonne, tu vois. Oh, le cowboy! Et voilà! Superbe! Ah ouais, la salade, merci Paul. Super! Ça, c'est les loaded fries. Du cheddar, du bacon et des frites. Et ça, c'est le cowboy. Ça a l'air dingue. Merci monsieur. Merci monsieur. C'est craque ou pas? Você me fez sorrir à toa. Se você me
Il y a un bon pain. Un pain un peu brioché. Je vois sur la découpe, là, t'es bien là quand même. C'est top là. Après, dedans, il y a du bacon. Il y a un onion rings qui est juste au-dessus. Il y a de la viande Le Bon Clé. Du cheddar affiné. Il y a des oignons, je crois. Des petits oignons caramélisés. Confits, des oignons confits. Des oignons confits. Confits. Et voilà. Si j'ai du bacon, mais c'est de la poitrine fumée, oui. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Poitrine fumée, poitrine fumée, poitrine fumée. Mais comme il est meilleur, ouais. Est-ce que tu sens bien la poitrine fumée? Et t'as les petits oignons aussi qui te donnent un petit côté sympa, tu vois. T'as tout fini? Pourquoi t'as pas tout fini? C'est plus fin. Tricheuse. Ouais, je sais. Qu'as-tu pensé de ton burger? Excellent. Les frites? Très bonnes. La salade? Très bonne. Donc tout était bien en fait? Tout était très bien. Mais plus le cocktail, plus notre petit apéritif d'avant, je reste quand même un petit peu consciente et je me dis que c'est bon. Alors, est-ce le meilleur hamburger de Paris? J'ai déjà fait une vidéo en vous emmenant chez Big Fernand. Big Fernand, c'est ça? Mais... Non, t'as pas aimé? Le ruisseau. Ah, le ruisseau, ouais, c'est pas mal le ruisseau. Le ruisseau, c'est pas mal. Moi, j'avais commencé dans le 18e. Ouais. Ouais, c'est pas mal. C'est des bons burgers. Mais Paris New York, c'est... Ce qui est bon chez Paris New York, c'est le pain. Le pain, il vient de chez Rachel. Le bacon, enfin la poitrine fumée, est vraiment très bonne. Le cheddar affiné de 9 mois est top. La viande, elle vient du Bon Clé. Bravo le Bon Clé, si tu regardes cette vidéo. Bravo à toi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les petits oignons, t'as dit? Les petits oignons. Confit. Confit, ça rajoute... Ça rajoute. Un petit goût confit. Voilà, parfait. C'est bien ça. Pas de chez moi. Non, on peut pas. Et les frites, il faut surtout les prendre avec du bacon et du cheddar dessus. Pour les clients, on peut les prendre toujours. Laisser plus de frites et de salade que les burgers. C'est important ce que tu dis. Elle était rasée quand les gens parlaient pas. Pas une fois. Pas une fois. Pas une fois. J'adore aussi. Attends, double plus. Double plus. Il est bien ton haut, tu l'as acheté où chez Zara, non? Zara. Zara mode, voyons.